Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'y a pas de lumière. On peut avoir de la lumière. Qu'est-ce que c'est? Bon, enfin, là, on peut voir. Ah! Ah! T'as vu ça? Un trou! Un trou juste là! Non, mais ils sont fous! Oh! Ils auraient pu avertir. Ils auraient pu mettre un écriteau ou tard, quelque chose. Un trou au milieu de la place, tu vois ça? T'arrives dans le noir, tu sais pas où tu es. Tu dis lumière, il y a de lumière, pas de lumière. Rien. T'as vu, on a failli tomber. Il y a un trou assez grand pour tomber. Non? On sait jamais qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou. Surtout un trou noir. C'est pas n'importe quel trou, hein? Un trou noir. Moi, je te le dis, alors, rien de plus troublant qu'un trou noir. Ils sont fous. Tout ça pour te prouver qu'on vit dans un monde de trous. C'est pas les blagues, hein? C'est vrai. Ah, oh, oui, oui. On vit dans un monde de trous. Prends n'importe quel journal. Tu vas voir, on parle que de trous. N'importe lequel, c'est pareil. On parle que de trous, des trous. Le bout de jouet de la dépense nationale accuse un trou. Le gouvernement creuse la question, tu vois. Des trous, rien que ça. Notre équipe a encore effectué une percée. Ah. Tu vois, de plus en plus de bouchons sur les routes. S'il n'y avait pas des trous partout, ils ne mettraient pas des bouchons. Eh oui, des trous. Des... Oh, écoute ça, préparez votre carrière. Ça alors large. Des trous, mon Dieu, des trous, partout. Que ça. C'est pas d'hier, hein? C'est pas d'hier qu'on a commencé à faire des trous. C'est vieux, tu parles. Ça remonte à nos orifices. Des trous, des trous. Ah ouais, peut-être qu'on a toujours fait des trous parce qu'on est des têtes de pioche, peut-être. Parce qu'on a toujours voulu percer, peut-être. Des trous, des trous. Dans les villes, n'importe quelle ville, tu vois ça, il y a des trous, hein, des trous partout. Partout, il y a des trous. Tu marches dans la ville, tu sais, ça va bien. Hein? Le lendemain, tu prends la même rue, paf, pouf, c'est fermé, un grand trou. Avec une clôture autour du trou, puis il y a des trous dans la clôture pour voir qu'est-ce qui se passe dans le trou. Des trous partout. La ville est pleine de trous. Et tu sais pourquoi? Tu sais qui, à cause de qui? La faute à qui? C'est la faute au serpent de mer. Parfaitement, c'est le serpent de mer de la ville qui permet de faire des trous dans sa ville. D'ailleurs, il aime ça. Plus il y a de trous dans sa ville, plus il est comblé. Il le dit, d'ailleurs. Il est d'accord. Ah oui, oui. Il le dit. Mes chers concitoyens, vous voulez pas d'une ville dortoir, va vous faire une ville passoire. Une ville où les passants se sentiront chez eux, tant tellement chez eux qu'ils voudront plus sortir. Je sais, il y en a qui seront pas d'accord, il y en a que ma passoire dégoûte. À ceux-là, je dis, je rouspète, quand la passoire dégoûte, les nouilles restent. Et elles y restent, les nouilles, et elles votent pour la passoire. Ah oui. Tu parles. C'est ça, tu vois, c'est ça, la politique. On n'échappe pas à la politique. Personne n'échappe à la politique. Même la ville n'échappe pas à la politique. Tous les 4 ou 5 ans, à peu près, la campagne nous arrive en ville. Et quand la campagne nous arrive en ville, ça nous donne une fièvre qui nous prend là, à l'électorax. Et alors, quand on a cette fièvre-là, on devient comme fou, on s'énervouille, on se met à faire le ménage, tu sais. On vide la chambrée paraplégislative. On enlève tout ce qui traîne, les dépités, les sinistres. Et puis on fait le ménage. Oui, on passe l'aspirateur. C'est un électrolux qu'on se paye. On se met à 4, 5, 6 sur le même siège, on aspire. Et c'est le meilleur aspirateur qui gagne. Il gagne le siège et le dossier avec. Ça, ben attention, hein, pour être un bon aspirateur, il faut être candidat. Ceux-là, alors, pauvres candidats. Je les plains. Faut les entendre, les candidats. Toujours la même sans-prix tournée, toujours la même chose. Mes bien chers électrons, je suis pas là pour vous faire des pommettes. La lutte est serrée, elle étouffe.
Nous avons des adversaires de terre. Et si l'heure est grave, la nôtre aussi. Écoutez-les, mes chers électros, écoutez-les, nos adversaires. Ils vont vous dire que tout va bien, c'est pas vrai, tout va mal. Ils sont dans l'horreur, tout va mal, très énormément mal. Il n'y a qu'à voir les horribilifiques malheurs qui nous varicellent dessus. Ça va mal, ça va mal. La confiture est de moins en moins économique. Le produit national de plus en plus brut. Ils disent que ça va bien, c'est pas vrai, ça va mal. Oh, ils s'excusent, ils disent « Ah, ben ça a toujours été comme ça, on peut rien changer. Ça sera toujours bloqué comme ça tant qu'on n'aura pas amendé la constipation. » Ils s'excusent comme ils peuvent, ils disent « Ah, le gouvernement a jamais eu de paternative. C'est comme ça, c'est la bourse ou la vis. » Facile à dire, mes chers électeurs, facile à dire, la bourse ou la vis. Mais quand la bourse a la mine basse, qu'est-ce qu'ils font? Ils serrent la vis. Et le résultat, le gamin d'œuvre se tourne les pouces. Ils vont vous dire, c'est pas grave, on a l'assurance chaumière. Mais attention, avec l'assurance chaumière, c'est pas mieux, c'est pire. Avec l'assurance chaumière, même les maisons cessent de travailler. C'est grave. Et quand ça colle pas leur truc, alors là, ils font le contraire. Ils desserrent la vis. Et quand ils desserrent la vis, la bourse se remplit. Et c'est pas mieux, c'est pire. Quand la bourse se remplit, tout le monde se met à dépenser comme des fous. Comme s'il y avait le feu. D'ailleurs, ça donne l'inflammation. Et on sort la hausse des prix. On arrose, on arrose, on arrose. On arrose tant tellement que le dollar flotte et le patron nage. Je vous le dis, mes chers électrons, nous sommes au bord de l'abîme. Nous sommes au bord de l'abîme. Attention, attention, de l'attentisme au pacifisme, il n'y a qu'un pas, le pas de loi des mesures de naguère. Et qui, je vous le demande, qui réglera le compte de la mère loi? Allons-nous attendre le retour des lois blanches? Allons-nous nous laisser traire? Allons-nous attendre d'être accumulés au pied du murmure? Non, mes chers électrons, je vous le demande, prêtez-moi une oreille attentive. Il n'y a qu'une chose à faire. Fini le repas du guerrier, il faut passer à la taxe. Moi, tu sais, pauvre petit moi, quand j'entends des discours comme ça, alors là, mon bon sang ne fait qu'un tour. Et là, je dis, alors là, les candidats, pauvres candidats, ils méritent un siège, ça c'est sûr. Oui. Mais pas n'importe lequel, un siège éjectable, petit. Parce que, tu sais, quand on y pense, c'est pas parce que t'as passé des années assis dans la chambre réparable législative que t'as appris à travailler. Hein? C'est quelque chose, travailler. Moi, je réflexionne à ça, je me dis, je pourrais pas. Travailler, c'est dur, c'est... Hey, oh, c'est pas n'importe quoi, travailler, c'est drôlement dur, surtout quand on sait rien faire. Hein? Quand t'as ni papier, ni plôme, ni rien. Dur, travailler. 20 fois sur la moitié, faut remettre ton ouvrage. Travailler, c'est pas simple. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas travailler. J'aurais pas la santé pour travailler. Tu te rends compte? Travailler, ça veut dire aller, revenir, tous les jours, aller, revenir. Je pourrais pas. Je souffrirais d'assiduité, c'est sûr. C'est dur, travailler. Surtout pour ceux qui travaillent dehors. Là, là, c'est le pire. Ceux qui travaillent dehors, c'est... Oh, tous les matins, ils viennent là, beau temps, mauvais temps, ils sont là. Sur place pour commencer à travailler de bonne heure le matin, c'est beau temps, mauvais temps, n'importe quoi, hein, ils sont là toute la journée à tenir leur pancarte de compétences. Ah, c'est quelque chose. À l'intérieur, ça, ceux qui sont à l'intérieur, ça c'est sûr que c'est moins dur, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a qui sont cadres. Hein? Ben, ça les regarde. Moi, je pourrais pas être un cadre. Hein, j'oserais pas, j'aurais peur. C'est fragile, un cadre, ça peut tomber, ça se brise. Hein. On ne sait pas toujours où mettre ça, un cadre. Hein. On essaye un petit peu à gauche, un peu à droite, un peu partout. Et quand on ne sait plus quoi faire avec, pauvre petit cadre, on finit par le suspendre. Non, je pourrais pas être un cadre. Je pourrais même pas être secrétaire. Ça travaille. Pauvre petite secrétaire. Elle a tout sur le dos, tout. Même une robe. Ça coûte cher, une robe de nos jours. Oui, je sais, il y a des secrétaires qui ont compris
Il y a des secrétaires qui ont vraiment compris qu'avec un patron, une robe, ça coûte moins cher. Oui, celles-là, elles font la robe elles-mêmes, à la maison. Avec le patron sur les genoux. Ça me plairait, être un patron, tiens. Ça me plairait. Ah oui. Ah oui, tu parles, j'aimerais ça être un patron, parce que quand on y pense, il est drôlement bien, le patron, tu te rends compte? Il mange tous les jours, d'abord, hein? Tous les jours. Dans une belle grande assiette fiscale. Bien sûr, il mange tous les jours, il fait partie de la classe digérante. Hein? Et après manger, qu'est-ce qu'il fait, le patron, tu penses, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Après manger, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il remonte dans son bureau, tu sais, au dernier étalage de son piège social. Il reste assis dans son fauteuil, la tête appuyée sur ses 13 oreillers, et il fume. Il fume, tout seul, comme un mégocentrique dans son scaphandrier. Non, c'est pas vrai. J'exagérationne parce que souvent, il n'est pas tout seul, le patron. Il y a des gens qui viennent avec lui, des gens qui viennent fumer avec lui. Beaucoup. Des fois, il est entouré de négociateurs. Ça fume, les négociateurs. Oh. Pendant des heures et des heures, ça fume. Ça. Et quand ils ont très complètement fumé, qu'ils ont fini de fumer, ils mettent les mégots comme ça au milieu et ils dansent autour. Ils font la ronde. C'est la ronde des négociations. Et quand ils s'arrêtent, ils ont tant tellement chaud, c'est là qu'ils se mettent à régler la conventilation collective. Et là, ils se sentent bien, ils sont soulagestionnés, ils s'amusent à fracassouiller l'assiette fiscale avec une grosse masse salariale. Ah oui, j'aimerais ça être un patron. Je sens que j'aurais du plaisir à être un patron. D'abord, si j'étais un patron, là, faut dire une chose. Je serais un homme de fer. Un homme de fer très énormément. Un homme de fer très imposable, voilà. Ah oui, oh. Ah oui, j'aurais l'incompétence assez sûre de moi pour ça. Ah oui, c'est sûr, j'assommerais mes responsabilités, hein. Je tiendrai moi-même mon incompatibilité sur deux colonnes. Une pour le crédule, une pour le débile. Ah ouais. Je brasserai des affaires, alors. Et quand j'entendrai tout le monde se plaindre, ça va mal, les affaires vont pas, c'est la crise économique. Là, je leur dirai, vous devriez être content, vous n'avez pas compris. Vous devriez être content de la crise économique. Moi, je dis bravo, la crise, enfin quelque chose d'économique. Ah, j'aimerais ça être un patron. Je brasserais des affaires. J'aurais une secrétaire, bien sûr, une secrétaire à deux langues. Une stéréodactylo. Ben oui, parce que j'aurais la clé anglaise. Tu sais, celle qui ouvre toutes les portes. Très énormément important. Quant à la clé anglaise, une fois que tu l'as, la clé anglaise, tu peux plus t'en passer, ça devient une hébétude. Ah! Oui, tu peux plus t'en passer. Hein. Ça fait partie de la traduction. Il faut respecter la traduction. Il ne faut pas que ça se perde, la traduction. Surtout si tu veux devenir complètement facsimilé un jour. Hein. Ah! Je brasserais des affaires. Je serais un spéculateur au ventre pyramidal. Oui, je crèverais le plafond mutuel de la hausse filesse. J'aurais une belle grosse compagne multinationale. C'est le genre qui manipule l'information. D'ailleurs, j'achèterais le journal, mais oui. Je deviendrais le patron du journal. Je serais le patron du rédacteur en chef. Tous les jours, je lui ferais changer d'éditorial. Ah ben, je l'aurais dans ma poche, le rédacteur en chef. Tu parles. J'aurais tout le monde dans ma poche. J'aurais le garnement dans ma poche. Je serais l'ami du garnement. Parce que le garnement, il y aurait toujours un sidérurgent besoin de mon savoir-faire. Hein? Ah oui, je brasserais des affaires. J'arrêterais pas. J'irais pas avec le dos de la cuillère. Hein? Je brasserais encore et encore plein d'affaires, de plus en plus d'affaires. J'entremêlerais mes affaires. Tant tellement qu'à un moment donné, je devrais changer de cuillère avant que ça devienne louche. Hein? J'aurais mis mon argent, tout mon argent, au frais, tu sais. J'aurais mis mon argent, oui, au frais, dans une banquise. Comme ça, si ça se mettait à chauffer, ça me ferait du liquide.
Et mon dollar pourrait flotter jusqu'ailleurs. Parce que c'est ça qui est important avec les affaires. Hein? Faut que ça flotte. Tant que tu flottes en affaires, ça va. Tant que tu flottes, c'est extraordinaire. Ça va. Mais aussitôt que tu te laisses entraîner par le courant, ouf, attention, là, tu plonges. Et tu fais des vagues. Tout le monde patauge autour de toi. Et toi, tu dérives. Les fonds te manquent. Alors tu plonges encore plus creux. Tu touches tes fonds et tu remontes. Et tu surnages, mais c'est trop tard. Ça se met à couler, ça coule. C'est la chute. Ça coule de partout. Ça fuit de partout. Et toi aussi, tu fuis. Tu laisses les eaux éponger. Et toi, tu te retrouves au soleil, les deux pieds dans une paire de scandales. Ah oui, c'est ça, les affaires. C'est dur parce que tu peux jamais t'arrêter de brasser dans les affaires. Tu peux pas t'arrêter parce que si tu t'arrêtes, la première chose que tu apprends, c'est que ton affaire va plus. Hein. Ça devient une entreprise aux abus non lucratifs. C'est dur. Brasser toujours. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui laissent tomber. Hein. On entend des gens qui disent « Ah, moi, j'arrête tout, je laisse tomber, je lâche tout, je me retire à la campagne, dans la zone abricole. » Ça, c'est pas vrai, faut pas les croire, ces gens-là, parce qu'ils se retirent pas à la campagne. Ils se tirent sur la campagne. Mais oui. Parce qu'ils ont l'air de rien, comme ça. Ils disent, si je vais à la campagne, ça va être le retour aux souches, le retour à la terre. C'est pas vrai. Ce qu'ils veulent, c'est le retour à la terreur. C'est des terroristes. Ils veulent que le règne végétal arrive. Ils sont, faut les voir faire, ils se tirent sur la campagne à toute vitesse. Ils sont pressés. Hein. Ils attendent même pas que la neige soit morfondue. Ils se mettent des braquettes dans les pieds. Hein. Ils s'en vont dans les bois. Ils se déchaînent à la chaîne sur les arbres. Ils font des embûches, des tonnes d'embûches avec les arbres. Pas tous les arbres, non. Les beaux gros comme ça, les vénérables, ceux-là, ils les coupent pas. Mais ils font pire, ils les percent. Ils les percent pour leur prendre leur eau. Des quantités d'eau considérables. Une eau qui est même pas bonne à voir, ils sont obligés de la faire bouillir. Même que ça donne un sirop misérable. Tellement misérable qu'il le tire sur la neige. Ah, oh, c'est des terroristes, ils sont épouffroyables. Pouch! Ils disent qu'ils aiment la terre, qu'ils aiment les champs, tout de suite, ils se dépêchent, les champs, ils les entourent avec leurs fils barbelés, hein? Ils les enferment et ils gardent la clé des champs sur eux. Ils sont durs. Ils disent qu'ils aiment la terre, c'est pas vrai. Ils la regardent, la terre, ils l'examinent, ils la trouvent trop maigre, ils la retournent. Ils sont jamais contents, ils passent leur temps à retourner la terre. Quand tu la trouves trop grasse, c'est pas mieux, c'est pire. Quand elle est trop grasse, ils la bourrent. Ils sortent le détracteur, ils la détraquent, la terre. Ils lui creusent des macro-sillons avec une perverse, rien. Ensuite, ils lui font des chamailles, avec toutes sortes de produits chimériques, toutes sortes de nitrates de consortium, toutes sortes de phosphates, de prostates d'agronome, Pour finir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent le tombereau par les cornes et ils couvrent la terre de fumier. Et ils s'en lavent les mains. Ils aiment pas la terre, c'est pas vrai. Ils disent qu'ils aiment leurs animaux, c'est pareil. Ils aiment pas leurs animaux. Ils les traitent comme des bêtes, leurs animaux. Les vaches, ils les mettent au foin et à l'eau. Pas étonnant qu'ils les ruinent. Quand ils ont un bœuf, ils lui mettent un agneau dans le nez. C'est dur. Et leur cheval, c'est pire que tout. Pauvre cheval. Tous les soirs, ils rangent leur cheval dans l'écureuil. Faut le faire. Mais oui. Tous les soirs, ils rangent le cheval dans l'écureuil avec la pouliche sur les talons, mais ouais. Ah, ils sont durs. Ils font des enlèvements à leurs animaux. C'est là qu'on voit que c'est des vrais terroristes.
Ils peuvent pas s'empêcher. Hein. Ils passent leur temps à soustraire le lait aux vaches. Ils enlèvent le fromage aux chèvres. Zint. Les poules, pour avoir l'omelette, ils les secouent dans une brasse-cour. Et même les moutons, pauvres petits moutons, qui se bêlent pourtant de leurs affaires. C'est pas long, ils leur enlèvent leur chandail, flac! Et les envoient paître. Ils sont durs avec leurs animaux. Et quand ils ont fini de terroriser leurs animaux, ils s'arrêtent pas pour autant. Ils en vont ailleurs, ils continuent à terroriser. Ils s'en vont dans le potage. Ils viennent patauger dans le potage. Ils pataugent, ils aiment ça, ils aspergent avec toutes sortes d'infecticides. Et ça se met à pousser dans le potage, tu sais, ça pousse, ça monte. Et quand c'est haut, quand c'est lent, concombrement partout, ils se remettent à faire des enlèvements. Ils enlèvent tout. Ils enlèvent les radicaux, les marottes, les aubergistes, tout. Les poivrons, ils enlèvent tout. Ils cassent les pieds au céleri. Ils interpellent les oignons. Ils coupent la queue aux fraises. Et tout ça, ils enferment ça dans des cachots. Et quand les cachots sont pleins, très complètement pleins, là, ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils font, tu penses? Ils les amènent en ville, leurs cachots. Ils les amènent en ville pour les vendre, par-dessus le marché. Ils sont horriblifiques. Et quand le potage est vide, ils s'arrêtent pas pour autant non plus. Tant qu'il y a quelque chose à terroriser, quelque chose qui pendouille, il faut qu'ils fassent de l'enlèvement. Ils s'arrêtent pas. Tout ce qui est rond qui pendouille. Ils se dépêchent parce que l'autonome s'en vient. Ils se dépêchent, ils font l'enlèvement des prunes. Ils secouent les pommiers pour avoir de la compote de désespoir. Ils se vengent sur le raisin, ils l'agrappent, le raisin. Ils le poursuivent, le raisin, jusqu'au bout. Ils le poursuivent jusqu'au bout de leurs ignobles pour faire les vengeances. Ils sont horriblifiques. Oh. Et c'est seulement quand il n'y a plus rien à terroriser, là, ils se calment. Enfin, ils se calment. Ils laissent sécher le tabac. Ils fument le jambon. C'est l'autonome qui arrive pour de bon. Tout se calme. Les feuilles se mettent à démissionner des arbres. C'est la fermeture. On ferme la ferme, c'est la fermeture annuelle. Les petits oisifs s'en vont, avec leur maigre ration. Et on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Plus de petits oisifs, plus de feuilles dans les arbres. On n'entend plus rien. Seulement le vent dans les clôtures. C'est le concert de clôture. Bon, heureusement que tout le monde se lance pas comme ça, se tire pas sur la campagne, heureusement. C'est vrai, non, la plupart des gens dans les villes, ils restent là, ils bougent pas. Ils restent dans la ville. Ah ben oui, ils sont raisonnables. Ils ont compris que la ville, c'est le contraire de la campagne, ça, ils ont compris ça. C'est facile à comprendre, hein, que c'est le contraire de la campagne, la ville. Il n'y a qu'à voir les maisons, hein? À la campagne, les maisons, tu les cherches, il y en a une par-ci, par-là, une en brique, une en bois, une ancestrale, ouais, bon. En ville, t'as pas besoin de les chercher, les maisons. Il n'y a que ça partout. Des maisons partout. Partout, il y a des maisons. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de monde en ville. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça. Attention. Hein. Au début du commencement, les premiers qui sont arrivés en ville, hein, bon, ils n'étaient pas tellement nombreux. Seulement, quand ils ont vu toutes ces maisons, ils ont dit, on ne peut pas laisser ça vide. Hein. Alors, ils ont appelé leurs amis, arrive en ville. Ça s'est mis à arriver. Il y a eu de plus en plus de monde. À un moment donné, il y a eu tellement de monde qu'il a fallu faire des rues entre les maisons. Et là, tout le monde est resté en ville. Tout le monde disait que c'était extraordinaire. Les gens restaient. Il y en a toujours d'autres qui arrivaient. Les gens restaient. Ils avaient compris que la ville s'est bien organouillée. C'est extraordinaire. Tout le monde est bien en ville. C'est vrai quand on y pense. Les enfants, ils sont pas bien en ville, hein? Ils ont des beaux grands parcs pour jouer, des grands parcs de stationnement, plein d'autos qui bougent pas, c'est pas dangereux. Ah oui, ah, tout le monde est bien en ville. Oh, et c'est propre. Bon, ça aussi, c'est important. La ville, c'est propre. Alors là, le maire et ses échevelés, ils n'arrêtent pas de nettoyer. Ils passent leur temps à lui passer leur grand balai dans les rues pour nous jeter la poudre aux yeux. C'est propre. Il n'y a rien qui traîne, jamais en ville, jamais.
La neige, c'est pas long, je suis complètement soufflé. Ensuite, on passe la salière, pour pas que ça gèle. Ah oui, c'est... Même la neige morfondue, ça traîne pas longtemps. La neige morfondue, la première auto qui passe, je splotch, splotch. Il faut les voir, les gens de la ville, comme ils sont contents. Il faut les voir danser sur le trottinoir. Noir. Ça, bien sûr, les trottinoirs, on n'y touche pas. Surtout qu'il y a une belle petite glace. On laisse ça pour amuser les gens. Surtout les vieux, ils ont qu'à se laisser pousser par le vent. Ah, et c'est extraordinaire. Les gens sont bien en ville. C'est pour ça que les gens restent en ville. Et c'est pour ça qu'il y en arrive toujours de plus en plus. Ça n'arrête pas d'arriver en ville. Ça, il y en a de plus en plus. Bien sûr, ceux qui finissent par arriver en ville, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? T'as vu ça? Hein? Où on va mettre la maison? Il n'y a plus de place. Ah! Seulement, ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils réfléchissent. Et alors là, ils comprennent vite. Ils se débrouillardisent, ceux qui arrivent. Ils mettent leur maison par-dessus celle des autres. Et c'est comme ça que la ville se met à grimper. La ville monte, la ville monte, la ville monte, encore et encore. Ça monte de plus en plus. Ça monte tellement haut que ça donne le prestige. À un moment donné, il y a des ratte-ciels, tu vois, des ratte-ciels. Partout, la ville est couverte de ratte-ciels. Encore et encore, des ratte-ciels très énormément haut. On appelle ça des ratte-ciels parce que quand tu regardes dans l'air, tu rates le ciel. Mais c'est pas si mal comme idée quand on y pense parce que ça nous fait des surprises, hein? C'est vrai, on verra à la campagne, tu sais, tu vois tant tellement loin, tu sais quel temps il va faire pour des mois. Hein? En ville, tu sais jamais. C'est la surprise. Il y a même des jours en ville, tu sais même pas quel temps il fait. C'est haut, la ville, c'est haut. C'est tant tellement haut, la ville, que des fois, t'entends des gens qui disent, « T'as vu ce matin, le ciel est bas. » Et ça, c'est fou parce que c'est pas vrai. Faut pas croire ça. Le ciel, il est pas bas, il est jamais bas. Le ciel, voyons, il a jamais été bas, le ciel, voyons. Le ciel est encore plus haut, le ciel. Il est par-dessus la fumée, le ciel. Oui, parce que la ville fume. Elle fume même un drôle de paquet par jour. Ben oui, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. La ville fume, bon. C'est normal, il n'y a pas de feu sans fumée. Et en ville, on met des feux partout, à tous les coins de rue, pour amuser les gens. Les gens s'arrêtent, regardent les feux, ils repartent. Et tout le monde est d'accord qu'il y a des feux partout et on voudrait que la ville ne fume pas. Voyons. Faut être raisonnable. Hein? D'autant plus que la ville, elle est raisonnable. Elle ne fume pas n'importe où, n'importe comment. Elle ne fume pas en cachette, en tout cas. Quand elle fume, ça se voit et ça se sent. Et c'est ça que les gens aiment. C'est quand la ville fume que les gens... C'est là qu'on les voit sortir, les gens, le matin, le soir, surtout. Hein? Le matin, aussitôt que les autos commencent à se suivre d'un peu plus près pour mieux se sentir. Hein? Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils sortent dans la rue, ils se mettent à courir comme des fous, ça court partout. Ça court dans la rue. Et ils respirent, ils se grisent à l'intoxyde de carbure. Et les autos se serrent de plus en plus pour embouteiller le gaz. Et les gens sont là, qui respirent, qui se laissent aller. C'est l'échappement du gaz. Le matin et le soir, c'est encore mieux. Le soir, c'est extraordinaire. Faut l'avoir fumé, la ville, le soir. Faut l'avoir fumé. Quand tout le monde bouge dans la métropollution, quand tout le monde se répand jusqu'au bout de la calamité urbaine, c'est là qu'il faut l'avoir fumé, la ville. Faut l'avoir fumé au-dessus de l'autoroute pétrolitaine. Ah. Elle fume des fumées extraordinaires, des belles fumées d'intoxinérateurs, des belles fumées... Elle fume des fumées blanches, des fumées jaunes, des fumées vertes, des fumées noires. Elle se grise de fumée grise, la ville. Et elle fume le soir, la ville. Elle fume la ville le soir. Et elle respire avec son gros poumon d'acier. Et elle fume la ville le soir. Elle fume le soir, la ville. C'est pas étonnant que le soleil se couche les yeux rouges. Ah oui. C'est ça qui est le plus dur en ville le matin quand on se lève, c'est d'essayer de mettre les trous blancs en face des yeux rouges. Faut avoir la santé hein, pour vivre en ville. Attention, attention. Je sais de quoi je parle, je connais ça la santé. La santé, c'est... J'étais haut comme ça, je savais. J'étais haut comme ça, mon perplexe me disait toujours, la santé, ça passe avant tout. Et là, je suis sûr qu'il avait drôlement raison, parce que c'est vrai, la santé, ça passe.
Même que des fois, elle passe vite. La santé, des fois, elle passe tellement vite, elle te dépasse. Et là, tu cours pour la rattraper. Plus tu cours, plus tu es fatigué, moins tu la rattrapes. Et quand tu l'as perdue, la santé très complètement perdue de vue, c'est trop tard. Je sais. Il y en a qui vont dire, c'est pas grave, la santé. On a les docteurs pour nous la rattraper. Là, je dis, attention, c'est pas sûr. Attention, peut-être ils ont autre chose à faire, les docteurs. Tiens, par exemple, suppositionne un matin, tu te lèves, t'avais pas prévu en te couchant, tu fais que, oh, qu'est-ce que j'ai aussi bizarre, ah, oh, ça fait mal, oh, j'ai mal, mais ça fait mal, ah, oh, j'ai mal, ah, oh, qu'est-ce qui m'arrive, ah, aïe, bon, tu vas pas passer la journée à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu cours chez le docteur, c'est normal. Tu cours chez le docteur. Et t'es pas aussitôt arrivé chez le docteur, tu t'aperçois que ça valait pas la peine de courir, il y a plein de monde qui attend. Il y en a qui attendent depuis longtemps. Il y en a qui sont là depuis drôlement longtemps. Il y a qu'à voir les vieilles revues de l'année dernière qui lisent. Et t'attends, et c'est long, surtout quand tu sais pas lire. C'est long, c'est là que t'apprends à devenir un patient. Bon, bien sûr, ça a beau être long, à un moment donné, c'est ton tour, on vient te le dire, le docteur va vous recevoir. Youhou! T'es tout content, c'est ton tour. T'es content parce que c'est vrai, le docteur te reçoit lui-même, en personne, il est là. Oui, il te reçoit. L'amphétamine radieuse, le sourcil bronzé, il revient toujours de vacances. Il te reçoit du haut de sa convalescence. Alors, mon ami, alors, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Vous avez le teint faramineux, vous êtes lipide. Ben oui, docteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à dormir, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Docteur, calmez-vous, mon ami, on va vous soulager. Et là, ça te revient que les docteurs, ils pensent qu'à ça. Soulager. Ils sont obsessionnés par ça. Soulager tout le monde. Là, tu dis, pourvu qu'ils me soulagent pas trop. Soulager. Ils pensent qu'à ça. Parce que c'est vrai, le docteur, il est pas là pour donner. Il est là pour prendre. Et plus t'es malade, plus il te prend. Il te prend ton tempérament. Il te prend ton pouls. Il te prend ta tension caractérielle. Il te prend ta petite carte. Ensuite, il prend sa grande médaille qu'il lui pend sur le centre médical. Sa grande médaille qu'il ne quitte pas depuis qu'il a laissé la facultative. C'est le tétanoscope. Il prend son tétanoscope, il te promène ça tout froid dans le dos. Respirez encore. Mais oui, docteur, je respire. Depuis ce matin, j'arrête pas. Respirez plus fort, je veux entendre les tronches. Bomber l'entorse. Voilà. C'est beau, c'est bien, parfait. Maintenant, toussez. parfait. Ouvrez maintenant. Non, plus grand. Plus grand. Tirez la langue. Toi, tu ferais n'importe quoi pour lui faire plaisir. D'autant plus que tirer la langue, respirer, tu fais ça depuis que t'es haut comme ça, alors. À un moment donné, sans te demander la permission, il prend son grand doigt pointu et je entre deux côtelettes. Il se déprime le diagramme. Fin finalement, il se calme. Et enfin, tu peux respirer. Et là, il se met à te poser des questions comme ça. Alors, mon ami, dites-moi, quand vous étiez petit, vous avez eu des maladies? Oui, je veux dire des maladies contrarieuses. Comment, vous n'avez jamais été rougeau ni bariolé? Vous n'avez jamais eu la galopine, la radicelle, l'anémone pernicieuse, la périphérie? Mais non, docteur, mais non, pas du tout, jamais. Tout petit, déjà, j'étais vexé contre les maladies. Mais oui, j'étais pasteurisé. Contre les pires épiphanies. Ah oui, ça. Donc ça allait, docteur, c'est plus tard que ça allait pas. À l'école, ça allait pas du tout. Alors. Je pense que je souffrais d'ineptie, docteur. À l'école, j'étais comme ça, là, pendant des heures et des heures, les yeux au tableau pendant des heures. Très complètement spongieux. Là. Ah, mais je vois ce que c'est, mon ami, je vois ce que c'est. Ce sont vos yeux. Je vais vous envoyer voir un spécifique pour les yeux.
Il te fait un petit papier et tu cours chez le spécifique pour les yeux. Ah, docteur, je viens vous voir, on m'envoie, je viens vous voir, c'est pour me faire occulter. Calmez-vous, mon ami, calmez-vous, les yeux, ça me regarde. Et là, sans perdre une seconde, il t'envoie un petit rayon jusqu'au fond du globulaire. Je dis, oh, vous avez les yeux drôlement exorbitants. Oh, vous avez la goupille drôlement dilapidée, mon ami. Ben oui, docteur, ben oui, je sais, docteur, c'est pour ça que je viens vous voir. C'est parce que ça va pas, je viens vous voir parce que j'ai peur. Voilà, j'ai peur de devenir presbytère, voilà. Je sais pas ce que j'ai, docteur, peut-être c'est la corniche qui est pas solide. Hein, docteur? Je veux pas attendre que ça devienne un décollement de la crétine. Je vais vous dire, docteur, c'est bien simple. Je vais vous dire, chaque matin, docteur, chaque matin, la première chose que je fais, quand je me lève, je me regarde les yeux au miroir. Et là, qu'est-ce que je vois devant moi? Un point noir. Et quand je fixe le point noir, il devient plusieurs. Non, c'est bien simple, docteur, je pense que j'ai l'œil gauche. C'est pas grave, mon ami, c'est pas grave. Rendez-vous demain à l'hôpital, on va vous faire disparaître tous ces petits points. Mais non, docteur, je veux pas. Chaque matin, il y en a de plus en plus. Chaque matin, je gagne des points, docteur. Ah bon, après tout, c'est votre affaire. Si vous voulez garder l'œil gauche, c'est votre droit. Seulement, attention, mon ami, attention. Je vous avertis, c'est grave. Quand vous verrez plus rien du tout, ce sera trop tard pour revenir me voir. Tout bon. Je les connais, vous savez, je les connais, les gens dans votre genre. Vous êtes le genre à vous faire tirer l'oreille, c'est ça. Parfait, je vais vous envoyer voir un otorino. Il te gribouille un petit papier et tu cours chez l'otorino. Et attention, t'arrives pas devant un tout petit otorino de rien du tout, mais un gros, un dur, un autoritaire, un otorino féroce. Il te reçoit comme un chien dans une jonquille. Alors, mon ami, qu'est-ce qui va pas? Faut rien me cacher, je suis labyrinthologue. Faut tout me dire, faut rien me cacher, je m'occupe des joies respiratoires. Hein? Alors, qu'est-ce qui va pas? Faut tout me dire. Mais oui, docteur, je vais tout vous dire. Ça se passe là, docteur, c'est bien simple. Ça me vrombine dans le pimpon. Ça me vrombine tant tellement que j'ai peur de l'absurdité. Voilà. Oui, je vois. Je sens que ça vient du nez. Ah ben non, docteur, ça se passe là, docteur. Ça vient du nez! Et avant que t'aies le temps de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait, tu penses, un otorino? Sans te demander la permission? Il s'engage dans la narine. Chut. À toute vitesse, il s'engage dans la narine comme s'il allait livrer une bataille nasale. Oh, c'est bouché là-dedans. Vous avez les cyniques complètement bouchés, mon ami. Oh, c'est drôlement... Oh, mais c'est végétarien comme tout. On va descendre plus bas, ouvrez. Et il descend plus bas dans ton labyrinthe, jusque derrière la fluette. Oh, c'est rouge là-dedans, mon ami. Oh, que c'est rouge. Oh, que c'est rouge. Mais vous avez le gésier brisé, mon ami. Ah, je vois ce que c'est. Ce sont vos amidons. Ce sont vos amidons, les coupables. Coupable, docteur, vous êtes sûr? Coupable! Je suis parégorique. Je le dis avec un point d'inflammation. Coupable, rendez-vous demain à l'hôpital, on va vous annuler les amidons. Et là, laisse-moi te dire, quand t'arrives à l'hôpital, là aussi t'es pris. Tout de suite, t'es pris. T'es pris par l'odeur, une drôle d'odeur qui flotte dans tous les chloridors. Partout, ça sent la peinture à clinique. Ensuite, bien sûr, t'es pris par les formalités, c'est normal. Hein? Des formalités. Tant tellement de formalités qu'à un moment donné, tu te retrouves toi-même une formalité. T'es là. T'es là dans une salle entourée d'autres formalités. C'est le soir. T'essayes de dormir, tu n'y arrives pas, tu penses à demain matin, clic, 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 clic. T'arrives pas à dormir. T'appelles, tu sais, tu sonnes, t'appelles pour qu'on vienne te border. Personne ne vient jamais, tout le monde est débordé. T'arrives pas à dormir, tu berces ton insomnie pendant des heures et des heures. Et au moment où fin, finalement, tu vas peut-être enfin commencer à pouvoir réussir à t'endormir, paf, on te réveille. Et on te roule dans une autre salle. Tu sais pas où tu es, tu comprends rien. T'es là, étendu, dans le noir. Tu sais pas ce qui va se passer. Et tout à coup, paf, ça s'allume au-dessus de toi. Une grande soucoupe pleine d'ampoules hallucinogènes.
Et c'est là que tu comprends que tu es dans la salle d'aberration. Couché sur la table de soustraction. Sont tous là qui t'attendent, très complètement stériles et sceptiques. T'en vois un dans le coin qui s'en lave les mains d'avance. Là, tu dis, c'est sûrement lui, c'est sûrement le déchirurgien. Et tu le vois qui s'amène, il s'approche de toi, avec ses ustensiles, tu dis, il va se mettre à table. Tu dis, c'est drôle, c'est lui qui a les ustensiles, c'est moi qui a la trousse. Et puis t'en vois un autre qui s'amène, un grand efflanqué d'une belle sirène épidermique, pour piquer ta curiosité. Tu le reconnais, tu dis, c'est lui qui va m'endormir, c'est l'euthanasiste. Et là, il te dit simplement, calmez-vous, mon ami, calmez-vous, détendez-vous, comptez jusqu'à 10 et vous pourrez plus me sentir. Et là, juste avant que tu aies le temps de compter jusqu'à 3, ch'tac, il te fait une injonction vénéneuse. Et toi, tu pars, tu sors de toi-même. Et c'est pendant que tu es parti que ça se passe. Le déchirurgien s'approche de toi. On lui enfile ses onguents. Il pointe son grand doigt pointu sur le morceau choisi. On te barbouine un peu avec de la teinture anodine. Et c'est là qu'il devient opérationnel. Il prend son incisif et dit, c'est l'ouverture éclair. Et là, ça traîne pas. On lui passe des ciseaux, des tenouilles, des forçures. Et il s'effraye un petit chemin à travers tes gourganes et tes vipères. Et tous les autres sont là autour. Tous les autres sont là, le nez dans ton ouverture. Ça les amuse. Oui, ça les amuse. C'est pour ça qu'ils portent un masque, pour que tu les vois pas rigoler. Ben lui, le déchirurgien, il a pas le temps de rigoler. Il est pas là pour s'amuser. Il en profite pendant que t'es parti. Il fait le ménage. Ben, c'est un homme d'intérieur. Il fait un beau grand ménage. Ah oui, il enlève pas seulement les amidons. Ah non, il enlève tout ce qui traîne. Il fait sauter un caillou dans le cerceau. Ensuite, c'est le vestibule. Et puis, c'est la phosphate. Le pancréas. Il te raccourcit le festin grêle. Il t'abrège la grande tyrolienne. Il te dilapide la rate. Et quand il a fini son beau grand ménage, il te referme. Il te rafistule. Il te fait de la haute couture. Et toi, pauvre petit toi. Quand tu reviens au monde, tout seul dans la salle de rumination, t'emmènes pas large. Tu jettes un œil juste pour voir de quoi ça peut avoir l'air. Et tout ce que tu vois, c'est une grande mystificatrice, pleine de petits points de stupeur. Alors tu bouges pas. Tu es resté comme ça pendant des jours et des jours. Et un beau matin, comme on a besoin de ton lit, on te jette de l'hôpital. Et juste avant de partir, le docteur vient te voir. Ah, mon ami, je suis content de vous. Vous avez bien fait ça. Vous avez une forte constipation. C'est bien. Vous allez pouvoir partir en paix. Attendez. Avant de partir, je vais vous faire un petit papier. C'est votre prescriptum. C'est très énormément important. Faut pas oublier, tous les jours, hein? Faut pas oublier, c'est écrit là, apprendre 2 fois par jour, c'est clair? Voilà, bonne chance et au revoir. Et tu sors de l'hôpital, tu te sens léger, c'est fou, tu te sens léger. Tu te sens bien, tu penses à ton petit papier, tu sors ton papier, tu commences à lire, t'essayes de lire ton petit papier, tu y arrives pas. Tu t'énerves, tu cours chez le pharmaceutique. Monsieur, aidez-moi. Le docteur m'a ordonné ça, il m'a dit, c'est important, apprendre 2 fois par jour. Moi, je veux bien l'apprendre, j'arrive même pas à le lire. Calmez-vous, mon ami, calmez-vous, je vais préparer votre médicament. Calmez-vous. C'est facile à dire, calmez-vous, je veux pas retourner à l'hôpital, moi, monsieur. Calmez-vous. Pas question de retourner à l'hôpital, vous êtes chez le pharmaceutique. Calmez-vous. Si je veux pas retourner à l'hôpital, c'est parce que je suis sûr qu'il faut que je retourne. Et pourquoi ça, je vous le demande, pourquoi ça? Parce que le docteur m'a dit au revoir. Ça veut dire que peut-être qu'il a oublié de manger un morceau, je sais pas, moi. Non, décidez, calmez-vous, mon ami.
Ici, vous êtes chez le pharmaceutique, on n'enlève rien. On fait simplement durer ce qui reste. Et c'est vrai, tu sais, le pharmaceutique, il est extraordinaire. Lui, il s'occupe passionne de ta santé. Il t'enlève rien, il te donne. Et il y en a à te donner, les murs sont pleins. Hein. Chez lui, chez le pharmaceutique, les murs sont pleins, pleins. Plein de flocons de toutes sortes. Il batifiole avec tout ça. Il peut tout guérir, le pharmaceutique. Sans rien t'enlever, il peut tout guérir. Ah oui, ah oui. Même s'il ne te connaît pas, il peut te guérir. Tiens, par exemple, suppositionne, un matin, j'arrive chez le pharmaceutique, il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, j'arrive là avec un chat dans la gorge, ben je suis sûr qu'il va me trouver un sirop pour ma toux. Ah oui, oui. Il peut tout guérir. T'arrives là avec la vitamine basse, c'est parce que tu manques de calorifères. T'arrives pas à dormir, paf, il t'a somnifère. Tu fais une mauvaise gestion, t'as mangé 3 grands plats de torticolis, c'est pas grave, il te donne un grand verre de lait d'amnésie, hop, t'oublies tout. Il peut tout guérir parce qu'il connaît les éprouvettes de tout le monde. Ceux qui ont mal dans les mollusques, ceux qui font de l'embargo, ceux qui se sentent mal, ceux qui se sentent plus, même ceux qui se sentent nerfs. Ah oui, c'est pour ça que quand tu sors de chez le pharmaceutique, tu te sens bien. Tu sors de là, tu te retrouves sur le trottinoir et là, t'es sûr de pouvoir traverser la rue Béole sans bronchite. Oui, alors moi, j'ai l'air de rien comme ça, mais les femmes, je connais ça. C'est pas parce que je suis pas mariné que je connais pas les femmes. Hein. Je connais depuis longtemps, d'ailleurs. La première que j'ai connue, oh, elle était toute petite, toute jeune encore, pas mûre, toute verte. Mais elle sentait bon, une vraie chlorophylle. On se voyait tous les jours, dans le parc, sur un banc pudique. Ou alors on s'étendait sur la frimousse pour feuilleter la margarine. Oui. Bon, bien sûr, dans ce temps-là, c'était seulement l'amour platonique. Hein. C'est plus tard, beaucoup plus tard, que les vraies femmes sont entrées dans mon excitance. Alors là, je vais te dire une chose, les femmes. Alors là, les femmes, c'est un monde. Tu peux pas savoir. En tout cas, moi, je savais pas. Je savais même pas par quel bout commencer. Je savais pas. C'est pour ça qu'un beau matin, j'ai décisionné comme ça. J'ai dit, bon, à partir de désormais, je vais faire du suiving, hein, pour voir comment ça marche. Hein. Ça a l'air de rien, faire du suiving, mais il faut le faire. Ça marche, ces bestioles-là. Oh. Et plus elles sont belles, plus elles marchent vite. Ah, mon Dieu, tu peux pas savoir, j'étais comme ça. J'étais épuisé, j'essayais de les suivre toutes. J'en pouvais plus le soir. J'étais comme ça, là. Parce qu'il y en a, hein. Elles sont innombreuses. Oh, tu te rends pas compte? Oh, avant, bon, dans l'ancienne autrefois, il y en avait moins, c'est sûr. C'était plus simple. Un monsieur qui voulait faire du suiving, alors là, il avait tout son temps. Il allait doucement, sans se presser, il enfilait ses élégants. Il mettait son chapeau de forme. Il prenait sa canette. Il glissait une arrière-pensée à la boutonnière. Et il s'en allait faire du suiving sur les grands buvards. Il n'était pas pressé. C'est seulement quand il envoyait une extraordinaire, là, il commençait à faire du suiving. Et ça pouvait durer des heures. Ça pouvait durer des heures. Il attendait que le mouchoir tombe. Ah, et c'est là. C'est seulement là qu'il pouvait montrer sa galantine. C'était la belle époque, ça. C'était le bon temps. Hein? Oui, je dis comme ça que c'était le bon temps parce qu'on ne pourrait plus faire ça. De nos jours, on ne pourrait pas. Hein? On ne pourrait pas. On passerait son temps à ramasser des vieux Kleenex. D'autant plus que de nos jours, on n'est jamais sûr qui on suit. Ça dépend de la mode. Des fois, c'est équivoque. Hein? Ah ben, t'en suis une, hein? Tu suis une belle blonde, tu sais. Tu la suis, elle se dandouille. Et tout à coup, paf, elle stoppe, elle fait une désinvolte face. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que t'aperçois? Un type avec une grosse pistache blonde?
Ah non, non, on n'est jamais sûr. C'est pour ça qu'un beau soir, je lui ai dit, bon, ça suffit comme ça. À partir de désormais, je vais les voir venir de face. Ah oui. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Un soir, j'étais là, je bougeais pas, j'étais là sur le trottinoir, je dérangeais personne. Tout à coup, je l'ai vue. Elle transgressait la rue. Et puis là, elle s'est avancée sur le trottinoir, s'approchait. Et tout à coup, paf, elle m'a jeté sa foudre aux yeux. Oh. Elle était belle, tu peux pas savoir. Une belle grande vermouilleuse sans salionnelle, avec un profil de soie. Oh. Deux belles grandes paupiettes qui battaient sur ses grands yeux au miroir. Elle avait un érotique, une langoureuse. Oh. Des beaux grands cheveux sauvages qui galopaient sur ses épaulettes et sa vitrine de pigeon. Ah! Tout de suite, j'ai senti mon inflation. Ah oui, tout de suite, je me suis sentimental. Et là, je m'imaginationnais qu'elle s'appelait Solange. Avec deux L, bien sûr. Ah, elle était belle. Elle est encore belle, d'ailleurs, parce que je la vois tous les soirs. Mais oui, tous les soirs, je reviens à la même place, sur le trottinoir. Oui, elle aussi. Tous les soirs, je la vois. Elle s'approche. Et puis, elle passe devant moi. Et puis, elle repasse devant moi. Et elle repasse encore. Des fois, ça dure des heures. Elle repasse, jamais pressée, tu sais, avec son petit sac à malice, comme ça. Elle passe et elle repasse. Ah, moi, je lis. Quand elle passe devant moi, ah, je l'idole, tu sais. Elle me regarde pas. Je compte pas pour elle. Elle me voit pas. Seulement, comme elle passe tout près, je vois bien qu'elle a pas l'air gay. Je sais pourquoi elle est mélancolique. Je sais bien pourquoi. Quand elle vient faire son promenade tous les soirs à la même place, comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle attend son amour. Et la pauvre petite, elle a pas de chance. C'est jamais le même qui l'amène par la main. C'est pas drôle, c'est péripathétique. En tout cas, moi, quand je la vois comme ça, je me mets à rêver, tu sais, je rêve. Ah oui, je rêve que c'est moi que je la consolationne. Je m'imaginationne que c'est une femme avec une santé de fer et moi, je suis son aimant. Je rêve que je nous voie tous les deux dans un parfaitement luxurieux, tu sais, avec un grand libido. Elle est là devant moi, très complètement sans dessus-dessous, diaphine et transporeuse, suspendue à mon coup de foudre. Et moi, je deviens son héron, je m'extirpationne. Je peux pas résistouiller, je la bécassine partout. Nous faisons des globules, nous cupidons pendant des heures. Nous mettons nos transports en commun. Mais alors, dans mon rêve, la pauvre petite, elle a pas de chance. Comme elle aime pas les pastilles, elle a un petit bébé. Et tout de suite après, elle a un autre petit bébé. Et encore un autre. Et plouf, 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 plouf. Et un petit bébé. Et encore un, et encore un. Bientôt, il y en a partout. Plouf, 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 plouf. Il y en a partout. Ça pilule. Elle aime pas ça. Elle est pas habituée. Ça l'énervouille. Elle sait pas quoi faire. Elle se fâche. Moi aussi, on se dit des chromosomes. Et un beau matin, ça y est, elle part. Elle enfile ses slogans, elle prend son sac, elle se retourne dans la rue travailler pour la libération de la famille. Elle me laisse là, tout seul, avec plein de petits bébés sur les bras, que je sais pas quoi faire avec. J'ouvre une paternelle. Je crie famille. Et c'est là que je me réveille. Juste avant que le rêve, il devienne cauchemar. C'est pour ça, je raconte tout ça parce que... C'est pour que tu le saches, c'est très énormément important. La vie avec une femme, ah, c'est plein de puéril. C'est pour ça que j'aime autant rester solidataire. Ah oui. J'aime mieux rester solidataire que faire naître au monde plein de pauvres petits sous-sols. Ah. D'autant plus que je ne saurais pas quoi faire. Comment les nourrir? Je ne saurais pas, pauvre. Tu me vois avec plein de petits bébés, je ne saurais pas. Qu'est-ce qu'ils deviendraient? Peut-être n'importe quoi. Peut-être ils deviendraient des embarrassants abris, tu sais. Ça, c'est pas toujours drôle. Les gens n'aiment pas ça. Les embarrassants abris, ça les dérange. Hein? Parce que les gens, en général,
Oui, tout le monde pense à ça, être à l'abri. Tout le monde pense, veut être à l'abri. Hein? Tout le monde veut s'assurer d'être couvert. C'est normal. Tout le monde veut être à l'abri. C'est fou quand on y pense, parce que c'est pas vrai. Personne n'est jamais à l'abri, voyons, voyons. Tu penses que tu es à l'abri chez toi, dans ton petit chez-toi? C'est pas vrai. Il y a toujours des murmures mitoyens. T'as toujours un voisin qui te promène sa concorde à linge devant le nez. T'as toujours un voisin qui t'empêche de dormir le dimanche matin. Il te coupe l'herbe sur le pied. Avec sa grondeuse à toison. T'as toujours un voisin quand il fait beau, tous les soirs à la même heure. Il fume ses briquettes. Il brûle ses boulettes. Il te fait sentir ce soir ce que t'aurais voulu manger demain. Ah non, non, on n'est pas, on n'est jamais à l'abri. Pour être à l'abri, vraiment, pour avoir la paix, il faut rien avoir. Avoir rien, tu sais, se sentir léger, léger, rien avoir. Même pas de voisin, surtout pas de voisin. Pas de voisin, t'es bien, pas de voisin, pas d'histoire. Pas de maison, c'est encore mieux. Pas de maison, pas de maison, pas de mur. Pas de mur, pas de mur, pas de porte, pas de porte, pas de fenêtre, pas de fenêtre, pas de jalousie. Rien avoir, ça. Se sentir léger, léger. C'est à ça que tu rêves, hein? Un de ces beaux matins que tu te réveilles dans ton village à l'autre bout du pays. Tu rêves à ça, être léger, rien à voir. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je traîne de l'arrière-pays. Alors tu décisionnes, tu vends ta guitare, tu grattes les fonds de terroir. Et puis tu pars. Tu quittes la raison paternelle. Tu pars de ton village, tu pars pas tellement loin, non. Ton rêve, c'est pas d'aller passer des mois au soleil, en Californie ou en Florine. Hein? Non, ton rêve, c'est la ville. T'as entendu des voix, arrive en ville. Là. Ton rêve, c'est la ville. C'est comme ça qu'un beau matin, terminus, tout le monde descend, te voilà en ville, t'es en ville. Oh, la ville est là, autour de toi. Oh, tu te laisses prendre, tu te laisses aller. Tu te laisses aller, tu traînes sur le trottinoir, tu te laisses aller avec la foule qui se défoule, qui te refoule. Tu te laisses aller, tu vas, tu viens, tu te traînes, tu étraînes la rue Sainte-Vitrine. Oh, oh, oh. Tu flottes dans l'urbain tourbillon. Tu traînes, c'est agréable, mais ça peut pas durer toujours. Ça y est, un beau matin, t'as beau tourner tes poches, plus rien, c'est toujours le même trou. Ah bon, tu dis, c'est pas grave. On va faire comme tout le monde, on va travailler. Hein, c'est, hein? Alors tu te mets à chercher pour travailler, tu cherches. Tu cherches et tout ce que tu trouves, c'est des gens qui cherchent. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Toi, ça t'arrange pas parce que tu n'es pas venu en ville pour rester oiseux au coin des rues et qu'on passe devant toi en disant, oh, encore un vagabond à rien. T'es là pour te faire ta petite piastre au soleil, c'est tout. C'est tout ce que tu veux. Bon, alors tu cherches encore à travailler, t'arrêtes pas de chercher. Tu vas, tu viens, tu traînes partout, tu transpires la ville d'un bout à l'autre. Tu cherches. Tu lis les petites annonces. Ah, vous êtes jeune. Ah bah oui, ça c'est moi ça. Vous êtes jeune, vous avez l'esprit d'entreprise. Ah bah oui. Venez nous voir. Ah, j'y vais tout de suite. Venez nous voir si vous avez de l'expérience. Bon, toujours la même chose. Il me faut rigoler avec leur expérience. Ils devraient savoir, quand on est jeune, tout ce qu'on a, c'est l'espérance. Et tu cherches encore et encore. Ah, en voilà une qui n'a pas besoin d'expérience. Êtes-vous prêt à faire du porte-à-porte? Ah, oh ben, tu parles, je suis prêt à faire du mur à mur. Devenez vendeur à domicile. Ah, ça, c'est pour moi. Vendeur à domicile, c'est extraordinaire, c'est pas fatigant. Tu restes chez toi, les gens viennent te voir. Ah ben non, c'est pas pour moi, j'ai même pas de domicile. Et tu cherches encore, et tu cherches, et tu trouves pas, et tu cherches. Et quand t'as fini de chercher, quand t'en peux plus de chercher, tu cherches encore. Tu cherches un petit coin pour dormir, un subterfuge. Et quand tu trouves pas, tu passes la nuit dans un parc à fontaine. En rêvant d'une belle étoile. Et au matin, quand l'aube épine te réveille, tu t'arroses la fleur de l'âge et tu repars et tu cherches encore et encore. Et tu vas, tu viens, tu traînes dans la ville. Et le lendemain, ça recommence. Et encore le lendemain. Et toi, tu dis, ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas continuer toujours comme ça. Ça, faut savoir s'arrêter. On peut pas traîner. Tu sais très bien, à force de traîner, tu finis par te laisser entraîner dans un trafic de plus en plus stupéfiant. Tu vas finir comme tes souliers, usés, désabusés jusqu'à la corde.
faut savoir s'arrêter, il faut savoir fermer le robinet une fois pour toutes, avant de se paranoyer dans un vertigineux. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir s'en sortir. Il faut savoir que pour s'en sortir, il faut entrer quelque part. Parce qu'il y a toujours quelque part qui t'attend. Quand t'as plus rien, 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 rien. Quand t'as plus rien, quand t'as même plus de quoi t'acheter du savon. Quand t'es au-dessous du seuil de la propreté. Il y a toujours quelque part qui t'attend. Des amis qui t'attendent. Des amis qui sentent la soupe chaude. Des amis qui te passent le savon. Des amis qui te payent une brosse. Une brosse à dents, bien sûr. Avec du gentifrice. Des amis qui te trouvent un patron. Et qui te laissent aller quand ça va mieux. Puis alors là, quand tu sors de l'air, laisse-moi te dire, tu sens que tu reviens de loin, même si tu n'as pas quitté la ville. Ah oui. Mais tu te sens bien parce que tu sens que tu peux repartir comme à neuf. C'est quand même mieux que de repartir de zéro. Ah, les couleurs. Pauvres, pauvres petites couleurs. On n'y pense pas souvent aux couleurs. Bon, on est habitués, elles sont là autour de nous, on n'y pense pas. On n'y pense pas. On ne pense pas que la vie d'une couleur, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours rose. La vie d'une couleur. Pauvre petite couleur. La première chose qu'on lui fait à la petite couleur quand elle vient au monde, quand elle est toute petite, on l'emprisouille dans un tube ou bien dans un pot. Toute seule, jamais deux couleurs ensemble. Elles ne se connaissent pas encore, les couleurs, elles ne peuvent pas encore se voir en peinture. Et un jour, tout à coup, comme ça, par hasard, l'artiste se réveillonne et il dit « on n'a pas le droit de garder les couleurs en prison ». Il n'y a qu'à voir le monde est grisonnant, triste et mélancolorique. Fini les idées noires, qu'il dit. Et là, le grand automatiste devient fauvette. Il écrabouine les tubes, il déboussole les pots, il libérationne les couleurs et il les tartine sur une belle grande toile très impressionnisée. Et là, faut les voir, les couleurs. Elles sont contentes, elles deviennent folles, folles, furieusement braques. Elles se laissent aller sur la toile. Elles se condimentationnent arc-en-cielement. Sur la toile, partout, partout, ça vermillonne, elle se mésange, elle se soulage, ça vermillonne sur la toile, le rouge gorge le noir de son carmin d'igo et chauffe le violet qui fond et se guimauve. Et l'émeraude autour des bleus qui se turquoisent et s'azurent et se grisent. Et la terre fait des siennes, la terre dérouille les embruns, le jaune se laisse aller, le jaune devient médiocre. Et bientôt passe au vert de terre, vert de gris et vert de jalousie. Et ça roule sur la toile. Ça roule et ça gerbe de soleil en folie. Ça mousse et ça mirote et ça devient léger. Ça modulianise dans tous les demi-tons. L'orange cramoisie dans le buffet kaki. Le matériau pèle, l'outre-mer déborde du vase, inondant la palette de chrome envahinée qui s'écarlate enfin dans une apothéose émouvantablement super colorifique. Et ça finit pas là. Ça finit pas là parce que la toile, il faut la faire sécher, la toile. On la sort, tu sais. On l'étend sur la galerie. Et là, il y a tout un monde qui vient la voir. Elle devient l'attraction lyrique. Il y a tout un monde qui vient la voir. Et pas n'importe quel monde, un monde drôlement gratiné. On voit là toutes sortes d'épicurieux, tu sais. Des grignoteurs de pistachistes, des dadamateurs de peinture contemporaine, des collationneurs de chèvres d'œufs, des belles grandes exhibibites en oblongue qui viennent là pour visonner. Tout un monde qui clapote, qui dit d'amerdisance et des calcomanies. Tout un monde qui rate jamais un vermicelle, snoblesse oblige. Mais le vrai tergivernissage, c'est quand les hypocritiques arrivent. Ceux-là, ils sont faciles à reconnaître, les hypocritiques. Ils arrivent toujours en impérialiste ou en habit de rigueur, avec une tête. Faut dire qu'ils viennent pas là pour s'amuser.
Ils viennent là pour travailler, ils viennent là pour casser la croûte. Hein? Ils n'arrêtent pas, ils scrutinent, ils examinouillent. Je suis pas un petit bétail qui leur échappe. Ils ont l'œil impardonnable et le jugement dernier. Ils s'expressionnent, les hypocritiques, ils s'expressionnent tant tellement complexement que moi je comprends rien. Et pourtant, c'est facile. Elle est là, la toile. Elle se laisse regarder, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à dire. La toile, qu'est-ce que c'est? La toile, c'est un gigantesque pic-à-brac de guitare en multicube. La toile, c'est un trésor, un riche trésor d'Ali Dada, plein de lèvres qui se surréalisent et qui se béquillent dans un désert de montres Molux. Partout sur la toile, on voit des nez, toutes sortes de nez, des néo-réalistes, des néo-futuristes, des nez, toutes sortes des nez qui font demi-tour Eiffel, et des belles aussi, d'anciennes belles qui magritent à vue d'œil. On les soutine, on leur fait une chirico-plasticine. En haut de la toile, c'est une chat-galerie, une très énorme chat-galerie qui plane et qui flottille dans son univers et bleu et qui parachutise des ânes avec leurs émules à bec. Des vipères réalistes sortent de partout, en long qui monochrome, qui m'autorisent le port du bikini. L'art s'amuse, l'art se pop-cornemuse. Mais la toile n'est pas toujours d'accord. Des fois, la toile refuse global son jeune cadre angulaire. Et ça gronde, et sa grand-mère au loin. Et bientôt, la grenadine explosionne, c'est la Guernicasso, l'affreuse qui coupe les chevaux en quatre et sanguine les taureaux. L'art s'exprimitif. L'art crie, l'art graffine tant tellement l'environnement. L'art devient si nétique, si frénétique, si tambernétique qu'on est obligé de l'enfermer dans un muselet. Un gros, grand muselet avec de grandes portes pleines de fermetures. Et c'est fini. La pauvre petite couleur est encore emprisouillée. Elle ne voyera plus personne. Seulement le vieux conservateur du muselet qui fait son promenading avec ses clés et qui garde sans regarder. Ah, moi je les aime, les petites couleurs. Je les aime, mais j'ai pas la main d'artiste. J'aurais la main d'artiste, j'arrêterais pas. Tu parles. Mais j'ai pas la main d'artiste. J'ai pas la main d'artiste. C'est pour ça que je me demande quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, quoi faire. Quoi faire à la place des arts. C'est pas ma faute. Si j'ai pas la main d'artiste, c'est pas ma faute. C'est la faute à personne, d'ailleurs. C'est sûrement pas la faute au monde. C'est la faute au quoi? La photo? Mais oui! Pourquoi j'y pensais pas? La photo, ça, je peux! Il n'y a pas besoin d'avoir la main d'artiste pour faire clic-clic. Hein? Je peux! N'importe qui peut faire clic-clic n'importe quel creton! Alors, je peux. Je décisionne une incision subversive. Je vais devenir photographe. Photographe et trouble-tête. Je vais me coulisser dans le monde du respectacle. Dans le monde de la chaude bisbille. Là, il y en a des photos, à faire des photos scandides, vermouilleuses. Ah oui, ah, oui, parce que dans le monde du spectacle, on voit toutes sortes de... On voit des impressaires rire, on voit des impressaires sérieux aussi, qui sont comme ça, qui palmarès très riches, mais au fond, ils sont criblés de vedettes. Même qu'ils sont obligés de faire des enfants qui prodigent. Qui deviendront des enchanteurs à succès d'année en année. Ou alors des enchanteresses, des belles enchanteresses à la voix mélodiane qui nous berce le murmure du son. Oui! Ah oui, on voit toutes sortes de monde. Dans le monde du spectacle, on voit des radiateurs de rétrovision qui réalisent pas ce qu'ils font. On voit des scripteurs téléromandités qui nous épuisent avec des histoires à...
des histoires d'internes minables, des histoires à dormir assis. On voit des engeances qui feraient bien de se publicitaire une fois pour toutes. On voit des écrivaniteux qui se libèrent, qui concourent à n'importe quel prix, à gauche, à droite, et qui rampent le lancement, le lendemain, qui rampent de lancement en lancement. On voit des orchestres symboliques qui s'honorent de leur chef. On voit des groupes qui ont rêvé métal, qui se ruinent les cordes vitales, qui se défoncent leurs décibels guitares. On voit des comédiens errants qui traînent sur le répertoire à cause de leur malédiction. On voit des prometteurs en scène dans un état critique parce qu'ils sont mis en pièces. On voit des acteurs qui arrivent à brûler les planches sans se faire descendre. On voit des belles grandes actrices toujours couchées sur leur divague dans leur éloge pleine de fleurs, toujours prêtes à poser pour la camélia. Alors moi, toutes ces personnes agitées, je les photographie pour la prosternité. Je leur agrandis le portrait pour trait. Je monte les étoiles sur 6 colonnes à la lune. Je les livraisonne à la foule aux yeux d'or, très complètement pamoisie et à demi rationnel. Et puis non, c'est pas bon. C'est pas assez. Si vraiment je veux devenir quelconque, si vraiment je veux devenir l'odieux visuel, le plus grand médiocre d'information, bon, il faut que je photographie le monde très énormément, tout entier, au moins une belle, grosse, grande photo. Tu sais, une photo capable d'explication, une photo qui vaut 10 000 morts. C'est pas tant tellement complexé à faire, une photo que de tout le monde. Parce que le monde n'est pas grand. Hein. La Terre est grande, mais le monde est petit. Ça, faut savoir ça, le monde. Faut savoir aussi que la Terre est ronde, ça. Hein. On commence par là. Hein. La Terre est ronde, ça, on le sait. La Terre, c'est ronde. C'est comme une pomme, la Terre. C'est pareil à une pomme, sauf que la Terre, elle n'a pas de queue. Bon. C'est pas grave que la Terre ait pas de queue, c'est seulement un petit peu embêtant pour nous, on sait jamais quand elle est contente. En tout cas, elle est ronde, ça c'est sûr, la Terre est ronde. Je sais, il y en a qui la trouvent plate, mais c'est pas vrai, elle est pas plate, la Terre, voyons, on n'a pas le temps d'être plate. On n'a pas le temps. À cause des choses qui arrivent tous les jours, ça n'arrête pas d'arriver sur la Terre, surtout des gens. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît. Hein? Parce que, attention, il faut savoir que la Terre, comme elle est ronde, qu'est-ce qu'elle fait, la Terre? Elle sait faire qu'une chose, elle roule dans l'espace, la Terre. Elle roule. Tous les jours, elle fait le tour du monde, la Terre. Oui. Elle tourne la Terre, mais le monde, lui, il ne tourne pas rond, c'est bien connu. Il n'est pas fou, le monde, il ne veut pas perdre la boule, il ne veut pas se faire rouler, il ne tourne pas. Il reste à la même place, il ne bouge pas, le monde. Seulement, comme il est innombreux, le monde, il y en a partout autour de la boule. Alors forcément, il y en a qui ont le dessus. Puis il y a les autres qui ont le dessous. Ceux qui ont le dessus sont bien, sont drôlement bien. C'est les États riches, les établis, les États munis. Ceux-là sont drôlement bien, ceux-là, ils ont tout. Ils manquent de rien et le reste, ils l'inventèrent. Ceux qu'on le dessous, là, c'est plus complexé, surtout pour dormir la nuit, à cause de ceux d'en haut. D'autant plus que ceux d'en dessous, comme ils ont toujours la tête en bas pour avoir un pied à terre, c'est toute une histoire. Et pourtant, ceux d'en dessous, ils restent là quand même, ils s'en vont pas. Ils restent là parce qu'ils sont fiers. C'est le fier monde. Oui, je sais, il y en a qui disent, oh, le fier monde, ça compte pas, le fier monde, il se passe rien. Faut pas connaître le fier monde pour dire ça, parce qu'il s'en passe des choses. Surtout quand ceux d'en haut ont fini de manger, là, les miettes se mettent à tomber, comme la terre est ronde, ça passe tout droit. Ceux d'en dessous, il s'en passe des choses, il se passe de tout. Hein. Et pourtant, le fier monde, ça le dérange pas, parce qu'il est habitué, il s'en fait pas. C'est ça qui est fort, il sait vivre, le fier monde. Il s'en fait pas, il déménage ses efforts. Et comme ça, il est sûr de toujours arriver à rejoindre les deux bambous. Il s'en fait pas. Jamais pressé.
Le fier monte. Par exemple, tiens, le matin, quand il se lève, le fier monte, hein, il prend son petit café et il le plante. Pousse café, pousse café, pousse café, pousse café, pousse café, pousse café, pousse, pousse, pousse café. Et ensuite, il prend sa canne en sucre, il s'en va au champ. Il s'en va faire son tour de champ toute la journée. Gnana, 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 gnana. Pencher sur les petites plantes toute la journée. Gnana, 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 gnana. Il s'en fait pas. Il s'en fait, il sait vivre. Il s'en fait pas, le fier monde. Il fait ça comme ça vient, jamais pressé, jamais pressé. C'est comme pour manger, il peut attendre des mois, des mois, des mois. D'ailleurs, il mange presque pas, le fier monde. Presque pas. Il coupe le poivre en deux, il met de l'eau dans son bain. Il fait la disette, gentiment, en famine. Le fier monde, c'est bien ça, c'est la plus grande sobriété de consommation. Bien sûr, il est comme tout le monde, il ne veut pas toujours manger la même chose. Le fier monde, des fois, il veut changer de régime, c'est normal. Alors, il cherche un nouveau régime. Des fois, il se casse la tête pour trouver un nouveau régime. Et quand il en trouve un, souvent, c'est un solennel. En général, c'est un solennel. Un gros, grand solennel qui arrive, très fort, très dynamite, qui arrive avec des bras chargés de bananes et qui met ses bananes au régime. Et là, le fier monde est content, il remercie le solennel, il se dévote pour lui. Et quand il se dévote, c'est pas long. Le solennel, il le prend, le vote, et avec lui, ça traîne pas, c'est toujours le vote à main armée. Il s'en fait pas, le fier monde. Il sait vivre, il s'en fait pas. Il se fatigue pas. Après manger, hein, penses-tu qu'il fait la vaisselle? Bon, il fait l'assiette. Il s'étend comme ça, sous un gros maobab, un grand napalmier, il fait l'assiette. Et comme il n'a pas besoin de brunir, il se laisse griser. Il dort, Dean. Il s'en fait pas. Et le soir, il se met à s'amuser, il se met à danser, il aime ça. Et il rit. Il rit, il aime ça, rire. Il aime ça, rire fièrement, il rit. Il rit, il aime ça. Il sait s'abuser, voilà. Il sait s'abuser. Il est pas tout seul. Ceux d'en haut aussi savent s'abuser. Oui, ils n'arrêtent pas de s'abuser. Ils se font des belles petites déceptions pour s'abuser. Oui, oui. C'est assez beau à voir ces petites déceptions. Les premiers qui arrivent dans les petites déceptions, c'est les embrassadeurs, tu sais. Les embrassadeurs de bonne étreinte. Ils viennent là pour faire de l'échangine, de cosmopolitesse, oui. Ensuite, c'est les chefs qui arrivent. Ils viennent se faire des petites rencontres au sommeil. Ils viennent assoupir leurs petites affaires étrangères. Et les chefs, bien sûr, ils amènent toujours un ou deux technocrates avec eux. Alors ça, les technocrates, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça bouge pas, ça reste là, ça, tout humide, avec sa serviette appuyée sur son dossier. Ça, bouge pas. Le technocrate, il bouge pas, il aurait bien trop peur de se mettre le droit entre l'arabe et le corse. Donc... Bouge pas, le technocrate. Il reste là, la plus grande stupéfaction publique. Et puis des fois, dans les petites déceptions, comme ça, les chefs, ils veulent faire des cadeaux. Ils amènent leurs généreux, leurs admirables, qui arrivent avec des fleurs, des beaux grands dépôts de géranium enrichis. Ah, c'est beau. Il faut les entendre, dans ces petites déceptions. Ça bavaroise gentiment. Blablabla. Sa psychose de guerre épaisse. Ah, ça donne des incohérences de presse. Ah, là, là, là. toujours en grignotant une petite coalition. À la bonne franquiste. Mais ça, c'est les petites déceptions. Il faut voir les grandes. Ça, alors là, ça, c'est celle qu'il ne faut pas rater. Les grandes déceptions mondaines, quand tout le monde est là. Quand toutes les inanitions unies sont là. Faut voir ça, c'est fou, ça mange ces gens-là. Ça mange. Faut dire qu'il y a de quoi manger. La veille, ils ont fait leur marché en commun. Hein? La table est pleine, pleine, pleine d'aliments. Des tonnes et des tonnes d'aliments pour tous les goûts. Des aliments de l'Est, de l'Ouest, il y en a partout. Ah, plein. Faut les voir se jeter sur la soupe comme des entrepotages. Faut les voir se tartiner la gelée latine. Et c'est pire encore avec le yogourt slave. Ça mange. Et après ça, ils ont encore faim quand arrive le grand plat, le steak, le grand steakoslovaque. Là, ils sont contents, c'est le plat de résistance. Ah!
Ils se dardanellent dessus, ils le vivisectionnent en tout petit moscovite qu'ils avalisent diplomatique à toute vitesse. C'est fou. Ça mange, ces gens-là. Et même après ça, ils ont encore faim pour la fricassée. Oh, ils aiment la fricassée. Ah, c'est fou. Ils la mangent jusqu'au bout, la dévoration, avec des petits points chauds, toutes sortes de petits pigments, très énormément de Sahel. La dévoration, couche que couche. Et après ça, je me croirai pas, ils ont encore faim pour le désert. Pour voir quand arrive le désert, porté par des Arabes qui arrivent dans leurs espadrilles de mystère. Un désert extraordinaire, servi dans une grande assiettée, tu sais, une assiettée mufti nationale extraordinaire. C'est riche, ce désert, c'est riche. Un désert plein de mirages, un désert qui donne des Israélusions. Oui, parce qu'attention, les Arabes, avec le désert, ils y vont pas de mer morte. Hein? Oh. C'est riche. C'est des 1236 brioches, toutes les unes contre les autres, entourées de turquerie et arrosées de sirocco. C'est riche. Alors, c'est pas long, ils se jettent là-dessus, ils se coinent friandises. C'est pas long, il reste que des miettes. Oh. Et attention, dans ces grandes déceptions-là, ils font pas que manger, ils buvardent aussi. Hein. Ils buvardent et pas n'importe quoi, pas de l'eau de Pologne. Hein. Oh, du vin. Ils se visent Versailles des grands verres de vergogne. Et ça buvarde. Bien sûr, il y en a qui n'aiment pas le vin, comme toujours dans les déceptions. Il y en a qui n'aiment pas le vin. Les deux plus grandes, dans les inanitions aux unies, elles n'aiment pas le vin. Les deux plus grandes, l'amnésique du Nord et l'autre, la répudique a des soucis réalistes. Bon. Ces deux grandes-là, elles n'aiment pas le vin. On leur laisse la bière froide, c'est pas grave. Mais tout le monde buvarde. Faut le voir, ça buvarde. Et bientôt, tout le monde est comme ça, très gai, très pharisien. Ça se met à crier « Vive la transe !» Et ça buvarde, ça se hongrise. Des fois, ça tombe dans la pire vulgarité. Il y en a, quand ils ont le boyau muni, ils laissent tomber la grande bretelle. Et ils tirent dessus comme si c'était deux guirlandes. Et c'est ça qui déclenche la course aux ornements. Et là, ça devient fou, très complètement fou. Tout le monde devient fou. Même les alliés deviennent fous. Même les alliés de toujours, même les alliés nés. Faut voir ça. Il y en a qui prennent le Nord aux dents. Le Nord, il aime pas ça. Il se défend, le Nord. Il se péninsule, il se scandinave. Ça devient un Macao gigantesque, c'est pouffroyable. Faut les voir. Faut voir le négus. L'ethnopie se tape sur le négus. La belle gifle sont flamantes. On déterre les moratoires. On se tire sur la pipeline. On s'arrache les cinq condiments. On se traite de musulmanteurs. Et ça pète arabe. L'indignation s'empare des diplomates. Et les lance un peu partout sur la nappe monde. Et ça, les serviettes n'aiment pas ça, surtout la serviette suprême. Oh. Et là, on va y voler ces serviettes partout, jusqu'en Ilyushine, pour qu'elles se métamorphosent. Oh. Et les serviettes frappent. Et plus les serviettes frappent, l'amnésique pique une protocolaire. Et là, l'amnésique n'aime pas ça, mais les serviettes cognent. Les serviettes cognent tant tellement que l'amnésique sort de ses gonds. Et c'est l'escalope de la violette, de plus en plus violette, jusqu'en haut, jusqu'au bout, jusqu'à perpétrole, jusqu'à l'épuisement. Et après, ça se calme. Reste plus que le grand murmure qui coupait la ville en deux, avec la foule des deux côtés qui se défoule, et le grand murmure qui dégringouline par petits morceaux. Il ne reste plus que la clique du Sud qui achève sa répression nerveuse, qui broie du noir de moins en moins. Il ne reste plus que les rustiques qui tordent les serviettes, qui liquident la bière froide et qui laissent couler la Volga. Il ne reste plus que l'amnésique du Nord qui s'amuse à jouer dans le golf, à faire les 400 trous.
Il reste plus même que les acerbes qui cessent de sauter sur les cloaques. Et tout le monde se retrouve avec des bleus, voilà, avec des bleus partout. Surtout des inefficaces que bleus. Ah oui, mais ça se calme. Après l'épuisement, ça se calme. C'est normal parce qu'ils n'ont plus de force. Ils ont même plus la faible petite force de se lancer des olives nucléaires. Heureusement, d'ailleurs, qu'ils n'ont plus de force. Heureusement pour la vieille qui fait le ménage à mesure. La vieille qui nettoie les dégâts. Puis c'est la vieille démocrasseuse. Elle fait le ménage à mesure. Non, heureusement pour elle, parce qu'elle ne serait pas d'accord avec les olives nucléaires. Elle trouverait ça inadmissible. Elle qui est déjà toute alarmée, toute peinte agonisante, avec un pied dans la tombe atomique déjà. Pauvre vieille, elle ne serait pas d'accord. Elle aurait peur, la vieille démocratieuse. Elle aurait peur de plus jamais être capable de faire le ménage de sa purée publique. Elle aurait peur de plus jamais être fière de son monde. Pauvre vieille. Pauvre vieille démocratieuse. Quand tu t'habilles pour être belle, quand tu te piques d'être la rose au bois sans épinette, amante poivrée, parfait parfum, fine farine, fleur de fenouil, quand tu arrives, c'est le bouquet. Ne change pas. Non, ne change pas. Reste pour moi toujours la même, celle de la terre, celle de la mer. Ne change pas. Tu deviendrais pareil à n'importe laquelle. Tu serais pareil à celle qui grignote des illusions et pour qui les marottes sont cuites. Tu serais pareil à celle qui s'endiète pour maigrir et qui s'aigrit et qui s'aigrit. Celle qui fricote à reculons et qui se nouille dans le beurre mou. Celle qui s'attache à la casserole et qui tempête dans un verre d'eau. Celle qui déteste la vaisselle et qui s'en fait une montagne. Celle qui rêvait de Monsieur Net et qui mijote au bain-marie. Celle qui retournait les omelettes et qui se retrouve sur la tablette. Celle qui fait la grasse matinée au ravioli conjugal. Celle qui conteste, celle qui blasonne, baronne, blasée, qui fait la moue, toujours la moue, encore la moue, toujours à la troisième personne. Celle qui fricasse dans les colloques, qui est plus néo que démocrate. Celle qui rouspète le feu sacré, celle qui pose des cols aux affiches. Celle qui pleut. Celle qui pleut comme fontaine, qui a jamais pu ni jamais plu, et qui tricote et se console en faisant des marmots croisés. Celle qui n'attend plus qu'on l'appelle, qui a décroché une fois pour toutes. Elle ne répond plus quand on la sonne. Elle s'est pendue au téléphone. Ah non. Ne change pas. Ne change pas. Reste pour moi toujours la même. Ne change pas. Reste pour moi. Reste pour moi celle qui s'arrose un soir de fête à petit verre dans un grand pot. Celle qui déride pour mieux songer. Songer à qui? Son géranium. Ne change pas. Ne change pas. Amante poivrée, parfait parfum, fine farine, fleur de fenouil, ne change pas, reste en bouquet. Quand la passoire dégoûte, les nouilles restent. On arrose tant tellement que le dollar flotte et le patron nage. Moi, je dis bravo, la crise. Enfin, quelque chose d'économique. Rien de plus trou blanc qu'un trou noir. Plus grand. Tirez la langue. Ça monte tant tellement haut que ça donne le prestige. Je brasserai des affaires. Et c'est là que tu comprends que t'es dans la salle d'aberration. Couché sur la table de soustraction. Je vais me coulisser dans le monde du spectacle.
dans le monde de la chaude bisbille. Des vipères réalistes sortent de partout, en long kimonochrome, qui m'autorisent le port du bikini. Oui, alors moi, j'ai l'air de rien comme ça, mais les femmes, je connais ça. Une belle grande vermouilleuse sans sa Lionel, avec un profil de soie. On s'étendait sur la frémousse pour feuilleter la margarine. Tous les soirs, il rentre le cheval dans l'écureuil avec la pouliche sur les talons, mais ouais. Tout de suite, j'ai senti mon inflation. Wow.